Manta Beach. Yeah, really big. Oh my god. Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes prêts à voir la vie vue de mes yeux. On est présentement à Padai Island. Je suis parti faire l'excursion pour Komodo Island et c'est notre premier stop. C'est vraiment magnifique, l'eau est turquoise. Donc l'excursion que je fais part à 5h30 du matin et on arrive environ à 8h30 et ça coûte un beau total de 400. On peut trouver des forfaits à 350, mais c'est à environ ça, 35$ plus l'entrée au parc de Komodo de 25$, qui est très raisonnable. Donc là on continue. Il fait chaud ici déjà. Il est juste 8h30 le matin. J'ai souvent vu cet endroit sur des photos. Mais en vrai, c'est... Oh, c'est tellement plus beau. Bon, j'ai... Il me reste environ 45 minutes pour vous faire un petit film de cet endroit. Donc, je vais faire le montage maintenant. Go for the summer when I'm blind. Boy, I got your body on my mind. You make my heart beat faster. I'll be a sweet disaster. Deep in my bones, I want your love, love, love. Go ahead. C'est vraiment fou comme endroit. Toute une aventure. Bon. Là, on descend. Ça va à Komodo Island. Et on va être à Komodo là. On est arrivé à Komodo. On va aller chasser les dragons. C'est fou comment le paysage est beau quand on est en bateau. Surtout qu'on s'endort dans le bateau. Que ça passe un peu plus vite, mais quand on se réveille, on voit les belles montagnes, l'eau, l'océan, c'est magnifique. Je vous conseille, si vous venez en Indonésie, de venir faire le tour, ça vaut vraiment la peine. Vous allez payer peut-être en avion, on va dire aller-retour avec Denpasar, peut-être un centaine de dollars, plus le tour ici, une soixantaine de dollars, donc ça revient à peu près à 160$ plus les nuits. C'est quand même raisonnable pour voir les dragons de Komodo. Il y a seulement 4 îles en Indonésie qu'on peut voir les dragons. En fait, 4 îles dans le monde entier qu'on peut voir les dragons. C'est le seul endroit où on peut voir ça. Je suis vraiment content d'être ici pour pouvoir voir ces magnifiques dragons. Komodo Island, they call it Loh Liang. Kapuk. So you can make t-shirt out of this? Tissue? Tissue, yeah. No? No. Okay, so it's not useful. That's kapuk. Local people here, when it's kapuk ripe, but yeah. It is still young. Yeah. Friends, all it ripe, it will be, the kapuk will be come out. And the local people here, they are going to take it to make... On a trouvé le deuxième dragon de Komodo. How old is he? Do you know? Around 40 years old. 40. So it's the like what age do they die usually? 50 to 60. 50. Okay. It's it can get old. It's a lot for an animal. Thank you.
C'est qui conclut le tour de Komodo Island? On s'en va à Pink Beach. J'espère que la plage est rose parce que là j'ai beaucoup d'attente. C'était cool de voir le dragon en vrai, mais c'est sûr que je reviendrai probablement pas ici parce que il y a pas beaucoup d'action. Les dragons sont très très paresseux, ils bougent pas énormément. Mais sinon je suis content d'avoir réalisé un de mes rêves. Pink Beach n'est pas rose. C'est plutôt bleu. Je crois que j'ai juste un nom. Mais bon. C'est chiant parce que ma GoPro marche plus, donc je peux pas filmer en dessous de l'eau. Mais il y a tellement de courant que c'est dur à nager. On les voit pas très bien avec la caméra ici, mais c'est fou comment c'est beau et c'est gros. C'est magnifique comme animal. C'est pas toujours qu'on peut voir des remanta. On la voit à nager. So huge. Yeah, this is a big one. Wow. No way. Manta Beach. Yeah, really big. Oh my God. J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était toute une journée et c'était très fatigant. On est parti à 5h30 ce matin. On est revenu à 6h le soir. Un 12h30 de voyagement. Beaucoup, beaucoup de bateaux. 3h de bateau pour se rendre jusqu'à là-bas. 3h pour revenir. C'était très, très, très fatigant, mais toute une expérience. Je suis content de pouvoir cocher sur ma liste, sur ma bucket list, les dragons de Komodo. C'est sûr que c'est pas aussi impressionnant, je pense pas que c'est quelque chose que je vais revenir faire parce que les dragons de Komodo sont très, comme vous pouvez voir sur les vidéos, sont très paresseux, ils bougent pas beaucoup. Mais une chose qui m'a vraiment fasciné,
c'est les manta rays qu'on peut voir à Manta Point. C'était fou. Vous avez pu voir les vidéos, vous avez pu voir constater vous-même. Les vidéos en dessous de l'eau, c'est pas moi qui les ai prises, c'est un Français que j'ai rencontré, que je ne sais d'ailleurs pas son nom encore, mais je m'en vais chercher les vidéos là, sauf que vous allez les avoir vues déjà. Mais c'est fou comment c'est magnifique comme animal, c'est gracieux, c'est waouh. On va fermer le vlog aujourd'hui. On va se dire au revoir. Si vous ne me connaissez toujours pas encore, abonnez-vous. Je ne sais pas ce que vous attendez parce que, comme vous pouvez voir là, c'est fou. Une chose que, avant de fermer le vlog, c'est fou comment être en bateau, se promener sur l'eau, c'est une expérience qui est très le fun. On se sent vraiment, surtout quand dans un autre pays, on se sent dans une comme si on était dans une aventure. En fait, je suis dans une aventure, mais là, je me sentais vraiment à l'aventure. On dirait que j'y réalisais pour une fois que j'étais en voyage, j'étais à l'autre bout de la terre. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et surtout la région de Flores. Flores, qui est en français, flore, qui est la flore, la nature et tout. Je trouve que ça porte très bien son nom. Vous allez voir sur les vidéos, les montagnes avec l'eau. C'est mon coup de cœur en Indonésie. Pas nécessairement pour le pays, pas le paysage, mais la ville et tout, mais c'est vraiment pour le paysage, les vues étonnantes sur l'eau, c'était magnifique, plein de montagnes, c'était super beau. Surtout, on a pu voir le coucher de soleil et le lever de soleil, ouais, à l'inverse, mais bref, c'était fou. Ok, là, on se dit au revoir, parce que je suis vraiment fatigué, même si ça paraît pas, et il faut que j'aille manger. Donc, on se revoit demain, gang. Ciao!